je ne sais même pas qui c'est qui va venir. Alors, il y a Valérie Damido. La décorée. Il y a Chantal Lobby. Il y a Frédéric Bell. Brigitte Lahaie. Oui. Alors, tu vois qui c'est, ouais, ça, ouais. Le porno, évidemment, tu vois qui c'est. Ouais. Et maintenant, elle est un peu sexologue à la radio. D'accord. Il y a un mec qui est spécialiste des chiens, qui a fait un bouquin. Mm-hmm. Donc, comme tout le monde vient avec son clébard, il va nous expliquer un peu comment on éduque un chien, comment on éduque une chienne. Enfin, mm-hmm. peut-être qu'il y a des conseils à prendre. Et puis, et c'est Julie qui fait la bouffe. Et on va checker parce que je ne suis pas tranquille. Est-ce que c'est pas très bon ce que je fais? J'en ai marre, mais moi, je m'en sors pas. Et puis, on me dit même pas à quelle heure ils arrivent. Je sais pas combien ils sont et tout. Julie? Oui? Ça va, tu t'en sors? Oui, oui, c'est super, tout va bien. Tout est prêt? Tout est prêt. Non, non, c'est bien. Okay, alors, je t'explique. Ça, c'est le dessert. Non, c'est l'entrée, ça. C'est l'entrée. Oui, c'est copieux, c'est joli. Hein. Alors, ça, c'est l'apéritif. L'apéritif, hein, plein de petits trucs. Ça, c'est en entrée une galette de courgettes. Tu sais que Chantal ne mange pas de courgettes. Bah, tu délires ou quoi? Non, non, Chantal Lobby, elle est allergique aux courgettes. Donc, elle mangera de la salade, parce que ça va avec une salade. Il y en a une seconde. Là, elle est prête, celle-ci. L'autre, elle est là. Regarde, je vais la démouler. Elle est là. Elle est très belle, hein. Ça sent bon, tu la retournes et c'est comme ça, parce qu'au fond du moule, tu vois, je les dispose comme ça. Et ton plat? Mon plat, c'est ça. C'est des aiguillettes de poulet aux quatre épices et tabasco. C'est pas cuit, c'est cru, ça. Mais attends. Et puis ça rend de l'eau. Mais attends, mais c'est normal que ça rende de l'eau. T'as pas pris du bio? Ça, c'est des trucs de supermarché, ça. Bah écoute, c'est des trucs, moi c'est ce que je fais. Ah, tu sais, quand ça rend de la flotte comme ça, c'est pas bon, ça. Elle partira à l'eau. Non, mais je t'explique, t'as acheté de la merde. S'il demande, tu dis que c'est fermier. S'il me demande, je dis que c'est fermier. Tu sais quoi? Tout est bio, fermier. Voilà, il y a toujours des casse-couilles dans un dîner. Tout est bio, tout est fermier. Il y a des casse-couilles ce soir. Bah écoute, je vais peut-être rentrer, moi. Il est bio, votre truc, il est bio. Il est bio, votre vin, il est bio. Et je suis bien contente d'être ici. Tout le monde, il est bio. Tout le monde, il est bio, tout le monde, il est gentil. Voilà. Allez, hop. Oui? C'est Valérie. C'est Chantal. Et Chantal? C'est pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, il paraît que... Il paraît qu'on mange bien chez toi. Ouais, il paraît que je fais super bien la cuisine. On vous voit pas. Vous êtes pas dans la caméra. Bah, si, regarde, c'est nous, regarde. On est non, portez-vous, je vous vois pas. On est petite. Porte-la. Chanchan, porte Valérie pour non, voir si non, c'est non. bien. Non, que ça y arrive. Ah ouais, j'arrive. Oh, les chiens. Ah bah oui, mais... T'es venu avec ton chien? Bah je sais pas, il paraît qu'il fallait que j'aille avec mon chien. Ça va, mon petit chat? Non, mais ça, on avait annulé les chiens. Ah, on avait annulé les chiens, bah... Attention, petit, hein. Oh, il est trop mignon. Bonjour, dis donc, c'est joli, hein. Ouais. Oh, là, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Allez, comment elle s'appelle? Lily. Lily. Miss. Non, je vais le garder. Ça va aller? Ouais, ça va l'âge, tu crois? Comment il s'appelle, ton chien, Valérie? Teuf. Teuf. Oui, mon chien, c'est quoi tous tes chiens? Bonsoir. Enchanté, Stella. Merci. Canon. Vous êtes super. C'est bien. Je vais prendre votre veste. Oui, je veux bien. Merci. Et puis le sac de Lily, hein, parce qu'il y a son jouet dedans. D'accord. C'est pas la merde à laquelle t'es habituée, hein? Ah, ouais, c'est sûr. T'as de la gueule, hein? Je vais prendre c'est magnifique, hein? Allez. Eh, c'est oh là canon, là. J'adore. Enlève la laisse qui fasse connaissance, parce que la mienne, elle peut sauter à la gorge, hein? Non, c'est vrai. Elle est où? Elle est là. Non, c'est une gentille. Non, non, elle a blessé des gens hier. Le machin noir, là? Elle a chopé un dog allemand, là. Non, la mienne. Elle a chopé un dog allemand à la gorge, elle est morte. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Butuse. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Geneviève, mais on l'appelle Miss. Une petite coupette, les filles? Alors, moi, je ne peux pas de champagne, mais. Du rouge, t'as du blanc. Rosé? Lily. Oh, la casse-couille, Lily, ça commence. Bah, je suis désolée, je bois du rosé. Stella? Oui, oui, chérie. Non, patron. Oui, patron. Ah ouais, donc, ok, donc Stella, pardon. Elle te répond oui, patron. Oui. Non, mais, c'est impossible, révolte-toi. Si, parce que c'est mon employé, en fait. Dis donc. Ah, t'as une employée, jolie femme. Oui, c'est mon employée, celle-là. Non, mais c'est pas possible. Je te jure. Ah non, mais j'ai honte pour toi, quoi. Mais quoi, j'ai fait travailler le Brésil, qu'est-ce qui m'emmerde? Ouais, d'accord, ok, c'est bon. T'as du rosé, chérie? Champagne. Champagne, je vous champagne. Champagne. Champagne rosé? Oui, non, tu commences. Champagne. Toi, tu commences pas à nous emmerder. T'as combien de chiens, toi? Moi, j'ai un chien, c'est la petite merde. Mais le noir, il est à qui? Le noir, il est à Julie. C'est d'accord. Julie qui fait le dîner. Ah. Donc, tout le monde a pu amener son chien sans problème, c'est ça qui est génial. Ouais. Toi, Julie, c'est rare. Oui. Viens dire bonjour.
fait drôle. Des proches là-bas, j'ai cru que c'était un vrai. Il me fait faire une mayonnaise à la main, je sais pas faire ça. Il te fait faire une mayonnaise ? Mais j'avais pas prévu. Tu sais, Julie, que si tu as tes règles, ça va faire tourner la mayonnaise. Belle tourne, là. Attends, il va nous faire chier tout le temps. Non, ça va ? Elle s'exprime, elle parle. Elle s'exprime, la chienne. J'ai appris à parler. Il me demande un truc pas prévu. Ça va bien ? Et toi ? Oui, je suis en cuisine, les filles, aujourd'hui. C'est toi qui cuisine ? C'est moi qui fais la cuisine. Donc en fait, t'invites, mais tu fous rien. Non. Moi, j'ai Stella pour servir. Regarde, elle est toute liquide. J'en connais d'autres. Hein. C'est pas faire ça. Vous voulez visiter ? Bah ouais, quand même. Alors, oh putain ! Là, ça va se battre. Comment elle s'appelle ? Lily, ça va se battre. Tu te tais ! Tu n'es rien ici ! Tu ne t'enfonces pas ! Tu respectes ! Nala ! En tout cas, j'adore cet endroit, hein. Franchement. C'est canon. Moi aussi, j'adore. Et la déco, t'en penses quoi ? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi. J'aime la déco. Tout ça, c'est le musée des arts forains qui m'a dégoté tous les trucs de manège. Ça a été décoré par toi ? Ouais. Génial. Mytho. Bah, j'ai donné des consignes et des gens ont exécuté. Ah, excuse-moi d'être un petit peu en haut de l'échelle. Pardon d'être juste une employée. Ça va te donner des idées, non ? Pour tes trucs ? Tu vas dévier. Hein ? Tu vas dévier. Non, Poulette, je te demande si tu vas piquer des idées pour tes trucs. Pourquoi je vais dévier ? Pourquoi tu rentres dans le parano dès qu'on parle de ta déco ? D'entendre dire que sa déco, elle est pas bien. Non, ouais, à chaque fois, j'entends, elle met trop de roses, elle met trop de machins. Et les sa déco, gens, elle est comme les gens lui demandent. Bah, et en même temps, je trouve que, des fois, on rentre dans des baraques. Et puis, quand elle a fini de la faire, on se dit, bah ouais, quand même. Mais attends, les gens, ils ont ça gratos, ils sont super contents. Bien sûr. En plus. Heureusement. Ils vivaient dans des trucs pas terribles, ils ont fait des trucs ignobles. Donc, pour eux, c'est un grand changement. C'est Drucker qui t'a allumé, là. Oui. Il a dit quoi ? Il a dit que c'était moche ce que je faisais, en fait. Que les gens avaient des goûts de chiottes, en fait, en gros. Donc c'est sympa pour les gens. Manger des conneries, hein. Et alors c'est quoi ? Tu sais même pas ce que c'est ? Bah si, ça c'est du fromage. Mmh. Et avec... là-bas c'est des croutons, c'est Julie qui s'est bien cassé. Julie qui a fait des croutons. Non, il faut que tu manges le fond avec. Mais parce que c'est... Est-ce que c'est du gluten ? Alors... C'est un genre d'hostie, j'ai envie de te dire. Julie ! Quoi ? Il y a du gluten dans les canapés ! Je vous amène encore... T'entends le métro ? Elle va dire, est-ce qu'elle me fait chier ? Ça c'est le métro ? C'est pas un bus, connasse. Tu vois un bus, tu dois traverser l'appart. Non, mais le métro... Est-ce qu'il y a du gluten, Julie, dans les trucs ? Pas du tout. Je sais même pas ce que c'est que du gluten. Elle parle pas français. Moi, en fait. Je dis non, tout est bio, tout est fermier. Hein. Stella ? Stella ? Oui, chérie. Patron. Oui, patron. Tu offres une coupette. Mais bien fraîche, à Julie. Hein, et tu as le droit de trinquer avec nous avant que tout le monde arrive. Ah, c'est gentil, bien, merci. C'est gentil. Non, en bas. T'as vu le cul qui est là ? T'as un copain ? Elle est belle. Hein. C'est un joueur de football qui jouait à Belém, au Brésil. Et... Stella, c'est un joueur de football ? Ah, plus maintenant. tu jouais au foot, Stella ? Remplaçant. Tu jouais au foot ? Oui, j'étais attaquant. Et alors ? T'en as eu marre ? Hein ? T'en as eu marre ? Je me suis dit, attaquant, ça paye pas beaucoup. Bah, c'est bien aussi d'attaquer. Alors, comment t'as eu ton chien, Chanchan ? Bah, Jen est partie. Et Jen, elle avait envie d'un chien. Elle l'a vu en photo dans les petits chiens adoptés, dans une SPA dans 78. La maman avait accouché à la SPA. Ça faisait 2 mois qu'elle était là-bas. Et donc, elle est partie la chercher. C'est la chienne de ta fille, en fait. C'est Liliane Ayash. Et ça a changé ta vie, cette petite merdouille ? Ah, bah, complètement. Non, mais elle est amoureuse de son chien. Je suis... Non, mais qui n'est pas, t'es pas amoureuse de ton chien. J'ai eu des chiens toute ma vie. Et tu te rends compte que nous, on met des heures avant d'en arriver là ? Chanchan, combien de temps on met, nous, avant de faire ça ? Bah, ça dépend des gens. Toi, tu m'as mis le nez dans les seins assez vite. Comme dit Didier dans le film. Bah oui, vous entendez bien. On ne sent pas le cul. Bon, on trinque, hein. On va au football, j'ai envie de te dire. Julie, je préfère te dire merci avant de goûter. Pourquoi ? Ah oui, avant de goûter ? Tiens, j'ai un peu raté. Il y en a un truc qui est un peu raté. Et toi, ton chien, tu l'as adopté ou tu l'as... Non, moi, j'ai été l'acheter dans un marchand de chiens. Et tu voulais un cocker, toi ? En fait, j'ai eu un Golden Retriever, j'ai eu un Husky, j'ai eu un Labrador. Donc, que des chiens un peu speed. Et je me suis dit, je vais prendre... Et comme je les emmène au bureau en tournage à chaque fois, j'ai eu envie d'avoir un chien plus calme et j'ai pris ça. Et c'est pas un peu con, le cocker ? Mais non, c'est hyper intelligent, tu rigoles moi, quoi ? Moi, tu sais, elle est Jack Russell. Ah, oh, j'en ai eu sa un. Sa maman. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu speed. Elle a un vrai caractère, moi, je trouve, la Lily. Petite, elle vient pas. Oui, elle vient pas quand tu la pètes. Tu sais, ouais, tu parlais de ça. Chiant, j'ai beau dire, Lily, viens, elle me regarde. Mais il y a un mec. Et par moments, elle est très câline, et d'autres moments, elle s'en fout.
Il y a un mec qui va venir, que j'ai invité à dîner, qui est un spécialiste du comportement. Première question que je vais lui poser, c'est pourquoi mon chien ne vient pas quand je l'appelle. C'est super casse-couille. Tu l'appelles, elle ne vient pas? Non. Là, elle pisse sur le tapis. Oh non, arrête. Elle pisse sur le tapis. Il y a des dégueulasses dans la cuisine, je te signale. Hein. Je voudrais poser une question. Moi, j'ai eu une chienne avant qui s'appelait Bouteille. Quand elle faisait pipi, tu sais, elle faisait comme ça, elle se baissait. Ouais. Lily, quand elle fait pipi, elle lève la patte comme les chiens. Parce qu'elle l'a vu faire. Elle a besoin d'un endroit. Ou peut-être elle est comme Stella. Ouais, mais le chien, c'est un chien de chasse aussi. Peut-être c'est un chien brésilien, peut-être. Pourquoi pas, Tiens, regarde, tu vas voir la maîtrise de mon clébard. Miss. Miss. Michou. Miss. Regarde, elle arrive, ça y est. Elle arrive. Voilà, bah, tu vois qu'elle vient. Il faut l'année. Miss. Regarde, tu vas voir ce que je lui ai appris à faire. Miss. Ou non, ça, en bas. Miss. Tu as appris à faire un truc. Regarde, tu vas t'épater. Miss. Ne fais rien de spécial. Donc quand tu l'appelles, elle s'arrête à distance comme ça? Elle vient pas là, c'est exceptionnel. Mais ta femme, elle lui obéit, je suis sûre. Ouais, plus. Bah, c'est et ta femme, elle t'obéit. Elle, quand tu l'appelles, elle vient, ta femme ou pas? Non plus. Non plus. Non, j'ai aucune emprise sur la famille, quoi. Mais quelle vie, que même ton fils. Quelle vie. Mets tes chaussons. Toi, tes gamins, tu leur dis, mets tes chaussons. Est-ce qu'ils mettent leurs chaussons? Bah plus maintenant, ils ont 18 et 20 ans. Donc, ils n'ont plus de chaussons. Non. On n'a plus de chaussons en 18-20 ans. Non. On va pas se faire chier contre les bars. Hein. Et non, elle est jalouse parce qu'elle est non, trop chouette. Je te propose un truc. Comme on a des trucs dans le. T'as les piqûres dans le frigo? Oui. Est-ce qu'on peut la piquer avant le repas? Jamais. Pour qu'on puisse s'entendre parler? Jamais, je veux dire. Non, mais je demande pas la lune, tu vois. Juste tuer ce chien de merde pour qu'on puisse s'exprimer. Arrête. Je vous amène encore un petit peu de casse-croûte. Qu'est-ce que tu appelles le casse-croûte, mon chaton? Je vais amener ça. Elle n'a pas les codes de la bienséance. Elle dit casse-croûte pour dire caviar. C'est ça qui est bien. Elle dit la pâtée pour dire foie gras. Ah oui, mais bon, elle a dépassé tout ça. C'est une étrangère, en fait. Allô, c'est qui? Frédérique, Brigitte. Non, non. Ouais, la attends, viens, Miss. Oula, non, c'est pas une vache, c'est un chien, alors. Hein. Ça va aller, le gros et le petit, ça va aller. Hein. Comment il s'appelle? Flirty. Comment? Flirty. Frotty, il s'appelle. Flirty. Frotty, le gros. C'est des... Ça va, Poulette? Ça va. Allez, t'es toute belle. Bonsoir. Merci. C'est mon nom. Il y a même des panthères. Enchanté, Stella. Bonsoir. Soyez bienvenue, je vais vous débarrasser, s'il vous plaît. Je vous donne ça. Merci. Tiens, t'as ramené ça? Oh, c'est gentil. Tiens, fous-moi cette merde à la poubelle, on a du bon vin. D'accord. Avec les autres. Venez, les filles. Et regardez le veau. Waouh, c'est magnifique. T'as vu la bête? C'est chouette. C'est immense. Frotty, viens. Flirty, oh. Salut. Bonsoir. Valérie. Brigitte. Jolie fille. Celle-là. Oui, chérie, oui, patron. Tu vas bien. Du champagne et des capotes. D'accord. Non. Elle parle, elle a besoin Chantal, de... Voilà. Finalement, Brigitte, mets-toi là. Et Frédéric, mets-toi là. D'accord. À vos ordres. Mais quel chien exceptionnel. C'est quoi comme race, ça? C'est un âne. Un âne. C'est quoi comme chien? Un dog allemand. Magnifique, hein. Et c'est quoi là? Je me suis toujours demandé la différence entre un dog allemand et un danois. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose en fait, c'est deux noms différents. Brigitte, autant pour moi, pardon. Frédéric, remettez-vous comme vous étiez, pardon. Ah oui? Ah bon. Non, et par après, rapport à la déco, c'est pas graphique. Ah ouais? J'adore. D'accord. Parce que c'est lui qui a fait toute la déco. Hein. C'est super joli. Donc il est en train de nous placer comme... Ouais, comme des accessoires. Rouge et rouge. Ah non, mais c'est toi qui as raison, pardon, c'est toi qui as raison. Rouge et rouge. Non, pardon, autant pour moi. Lolo. Mon record, c'est 8 fois. Non, mais arrête, assieds-toi, arrête de lui obéir. Moi, vous du vous coca, voulez, qu'est-ce que vous écoutez, mes conneries? Est-ce que vous avez du coca? Ouais, il y en a, j'en ai soif, trouvé. Je meurs de soif. Ouais, champagne pour champagne, tout le monde. Champagne, oui, parce que si on boit du coca, on baisera pas. Julie, viens dire bonjour. Elle est de mauvaise humeur parce qu'elle a ses règles. Ah, moi aussi. Elle a raté la mayonnaise. Ah, on baisera pas ce soir. Alors oui, t'étais partie, moi je voulais savoir, Julie, c'est quoi le truc vert, c'est quoi le truc rouge? Vert, c'est épinard ricotta. Mais c'est et rouge, c'est champignon tomate. T'as acheté des trucs bon. Tout près, ça, c'est... Haut de gamme, Laurent Ruquier. Pardon. Ouais, disons d'autres noms. Laurent Baffie. Non, mais c'est génial, Anémone.
T'as vu, c'est sa gamelle, ça. Il a soif, hein. Non, mais lui, il boit dans le seau à champagne, la classe du chien, je t'adore, toi. Mais regarde, il est trop cool. Voilà. Il arrive et boit dans le seau à champagne. Bon, ce chien est une flèche. Il fait plus de bruit que le métro. Ça, c'est des bruits que tu peux garder au doublage, hein, ça. Quand tu fais des films un peu, hein. Je suis sûr que dans certains films, ils ont pris ça comme bruit. Ah oui, quand on fait un cuni, tu veux dire... Regarde le filet de bave. Cette petite merde. C'est un truc beige. Ah, c'est la petite chose, là. J'ai pris ça parce qu'avant, j'avais une chienne que j'adorais, qui était la chienne de ma vie. Et quand elle est morte, on voulait plus de chien. C'était un bouvier bernois. Ah, c'est beau, les bouviers bernois, j'adore. Mais ça vit pas vieux. Pourquoi ça vit pas vieux? C'est comme les grands chiens. C'est les pures races, ça vit pas très vieux. Ah bon? Pourquoi ça vit? Ça vit jusqu'à quel âge, ça? Oh, ça vit 9 ans, 10 ans. Ah ouais? Donc, bouvier bernois est mort, tu voulais plus de chien. C'est pas ça, c'est que c'était un amour de chien, mais c'est pas des crottes qu'elle faisait dans le jardin, c'était des bouses. Ah. C'est bien, ça fait de l'engrais. Quand je les ramassais dans le jardin, j'avais des hauts le cœur. C'était nauséeux. Mais t'as un trop petit jardin, c'est pas le chien qui était trop gros, non, c'est ton jardin qui est trop petit. C'était des bouses. Et un jour, je faisais une pièce, et j'étais dans 15 kilos de merde à deux doigts de la gerbe, et j'appelle le théâtre. Et le théâtre, c'est monté en flèche les réservations. Ça a fait une somme astronomique. Et à chaque fois que j'allais ramasser des merdes de chiens, j'appelais le théâtre pour savoir si ça réservait. C'est comme quand on se dit merde pour une pièce. Ah bien, tu vois, ça parle bonheur. Et après, quand on voulait plus de chiens, voilà. Et après, quand on a repris un chien, j'ai fait le casting du chien le plus petit au monde pour ramasser le moins de merde possible. Voilà l'histoire de ce chien. D'accord, mais il fait des petites crottes au final ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir de toi, là, en ce moment, Frédéric? Qu'est-ce qu'on peut voir de toi, là? Seigneur. Mon 90B. Dans Les Seigneurs, ouais. Qui est un film sur le foot. Et puis, Fais pas ça, la série qui va sortir en octobre, novembre, je crois. C'est là, tu y vas? Oui, Laurent. Fais pas ça en film? Non, en série. En série. Je suis la voisine bling bling. Bonsoir, c'est le Cholet. Bonsoir, c'est Nicolas Cornier. Bonsoir. Attends, mon chien fait pipi partout, oui. Chez toi. Enchanté. Miss, non. Miss. Eh, viens. Toudou. Salut, Nicolas. Viens, papa, bon. Viens. Allez, bonsoir. Viens. Enchanté. Elle va venir, Miss. Allez. Oh là là, qu'il est beau, ce chien. Ça va? Ça va, poulet? T'as pris des croquettes? Moi, j'ai pris des croquettes. Oh, c'est quoi, ce chien? C'est ton chien? Le chien à trois pattes? C'est sympa d'emmener le dîner, Christelle. Il a apporté la bouffe pour le chien, c'est bien parce que... Oh, Julie. C'est pour toi, ça, Julie. Attends, t'auras rien. Ça va, parce que moi, j'ai fait le dîner ce soir, mais j'ai pas prévu pour les chiens. Je vous présente Nicolas, qui est un spécialiste des chiens, qui va répondre à toutes nos questions. Oh, mon Dieu, le spécialiste des chiens. Bonsoir. Ah, bah voilà, c'est ça, ton chien, Christelle. Non, ça, c'est pas le mien, c'est celui de Nicolas. Ça, c'est ton chien. Ouais, ça, c'est Gus. C'est quoi comme race, Nicolas? Bah, vous avez la même couleur de cheveux, déjà. C'est l'air blond. Nicolas, il est beau, il s'appelle comment, Gus? C'est un mélange husky pour le papa et canet corso pour la maman. Tiens, serrez-vous les filles. Nicolas, mets-toi à côté de Brigitte. Comment il s'appelle? Gus. Pourquoi? Oula. Avant de passer à table, on va faire un baby-foot. Oui. Et il y aura des cadeaux pour les vainqueurs. Ah. Alors, comme nous sommes 6, nous allons jouer par équipe. 2 équipes de 3. Une personne ne jouera pas, une personne sera coach. Et dira à son équipe, donnera des conseils, encouragera son équipe. On va faire 2 équipes. Ton équipe, Valérie, et ton équipe, Chanchan. Qui veux-tu dans ton équipe? Choisis. Brigitte. Non, stop. Brigitte. Moi, je prends Fred. Viens là. À toi. Qui prends-tu dans ton équipe? Christelle, Nicolas, tu n'intéresses personne. Si, pour l'instant, je prends les filles. Oui, mais voilà. Attends, je suis bon, Babi. Je prends dans mon équipe. Oui, moi, je prends Stella. Mais non, il reste Nicolas. Non, je prends Stella parce que Stella, elle est Stella, footballeur. Elle a du travail. Allez au boulot. Mais t'es dégueulasse. On concertez-vous. Non, t'as dit qu'est-ce que tu veux. Moi, je prends Stella. Qui c'est qui Nicolas, coach? Nicolas, c'est son truc, qui c'est joue le chien. Et qui coach? Qui coach? Qui veut coacher? C'est ouf qu'il y a le métro qui passe chez lui. Je vous explique. Alors, moi, j'y crois pas, cette histoire de métro. Je pense que c'est une bande-son. C'est pas possible. Vous pouvez la bande-son du métro. Déjà, ça devrait vibrer, tu vois. Voilà. Merci. Ah. On va vibrer toute la soirée. On savait très bien, mais je lui ai dit, on arrive. Alors, je vous explique. On se fout des demi, des pissettes, des machins. C'est la guerre. C'est l'anarchie. Celui qui a fait, l'équipe qui a fait s'arranger, gagne. C'est parti.
J'espère que t'es meilleur en éducation canine qu'en coach de foot, parce que là, au niveau de l'encadrement... En fait, c'est un poney, Brigitte. 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 Oui, oui, non, mais là, t'essayes de me... Non, c'est pas le mot. C'est un poney, en fait. Voilà, c'est tout. Fais péter les cadeaux. C'est quoi le score? Tu déconcentres. 4 partout. Excuse-moi, je viens d'en marquer un cinquième. Zéro de coaching, hein. Moi, je suis très inquiète. Regarde, Brigitte, comment elle garde bien. Brigitte, elle garde. Eh, Brigitte, pour une fois, ça veut pas rentrer, hein. Oh, mais... Oh, non, c'est... Moi, j'y crois encore. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est mort. Ah, oh, merde, pardon. Eh, Valérie, c'est une balle de match, là. Hein. Ouais, ça va, je fais ce que je peux. Et voilà. Brigitte, Christelle et Chantal. Chanson. Il a gagné. On passe à table, déjà, c'est un beau cadeau. On se met comment? Bah, c'est marqué. Ah bon? Oh là là, il y a un plan de table. Bah oui. La conne, le blaireau, la vieille. La vieille, ça peut être moi. La conne, c'est moi. La conne, c'est toi? J'adore tes sièges. Okay. Gros enculé, très bien. Moi, j'hésite, hein, je ne sais pas. La grosse, bah, c'est moi. Alors, Popeye, levez la main, les gagnantes. C'est là en cuisine. En fait, tout le monde a gagné. Ouais, parce qu'elles se sont battues. Hein. Alors toi, j'arrive pas à savoir si t'es cool. T'es cool ou pas? Fais voir tes yeux. J'aime beaucoup le carnet de mise à l'amende amoureux, là. Ah, c'est bien ça. Râle. Nature de l'infraction. Râle et fais la gueule sans aucun motif valable. Allez, Lili. Rentrer tard sans prendre la peine de prévenir pour me rassurer. Mais ça, c'est toi, ta prise à l'amende de ce soir. Ah ouais, putain, mais c'est bizarre comme... Tout le monde a les mêmes. Ça, c'est pour les chiens, ça, c'est ça? C'est les petits jouets pour... Ça, c'est pour toi. Non, ça, c'est le petit canard vibrant, ça. Ça, c'est pour ton frifri. C'est plutôt pour ta chatte et ça, c'est pour ton chien. D'accord. Brigitte, on n'est pas sur la LMC, hein. C'est un canard. Les chiens veulent le canard, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ton entrée, Julie? Un flan de courgettes. Donc, c'est une galette de courgettes au basilic et muscade. On pourrait applaudir Julie. Oui. Attendez. Ouais, mais même si c'est pas bon. Avec une petite salade. Elle a démené. Il y a de la mimolette dedans aussi. Et Chantal ne supporte pas la muscade. Hein. Bien sûr, ma belle. Moi, c'est le gluten, mais c'est pas bon. Il y a de la muscade. Il y a de la muscade et du gluten. Oui, je sais, mais bon. Pourquoi tu ne manges pas de gluten? Je l'ai arrêté pour essayer de voir ce que ça faisait. Et en fait, ça dégonfle le ventre. Ah. Ouais, puis tu te sens mieux, t'es plus tonique. Le gluten, ça endort un peu. Voilà. C'est pas bon, le gluten. Donc, tu fais des régimes, toi? Non, parce que ça sert à rien, parce que j'ai des problèmes de thyroïde, mais ça m'arrive de faire attention à ce que je mange, quand même. Je suis pas obligée de manger de la merde, parce que je suis malade, tu vois? Et le gluten, c'est pas très bon. Moi, j'en mange quand même un peu, hein, mais elle a raison, Chantal. Si on le ralentit un peu, c'est bien. Ça, c'est que pour... Et moi, Lélie, elle vient pas tout le temps. C'est que pour toi, ça. Alors, Valérie. Mais c'est quoi cette histoire de langoustine? Il m'a fait faire une mayonnaise alors que je ne sais pas la faire sans mon petit mayonnaise, c'est maison. Une blague entre nous parce qu'il est venu passer des vacances chez moi. Pas des vacances. Ah, carrément. Enfin, un week-end. À l'île de Ré. Une nuit. Voilà. Ah bon, t'es pas resté plus longtemps chez elle que chez moi, j'espère. Il pouvait rester chez moi, mais il faisait le tour de France en caravane, enfin en camping-car, pardon. Exactement. Donc il est venu chez moi un soir et je lui ai fait un énorme plateau de fruits de mer et il a mangé à peu près 7 kilos de langoustine. Et depuis, à chaque fois qu'on se parle, il m'envoie où sont tes langoustines. Et il m'appelle, il me laisse des messages, je veux des langoustines. Et voilà. Tout ça, c'est pour toi. C'était vraiment bonne, tes langoustines. C'est toi qui les avais faites. Non, mais toute la soirée, je disais, il n'y a plus de langoustines. Alors qu'elle avait acheté 2 montagnes. Il a tout mangé, mais bon, bref. Donc, c'est devenu une vanne. Donc, merci, mon Lolo d'amour. Mais Nicolas, pour comprendre un chien, est-ce qu'on doit se coiffer comme un chien? En tout cas, il a la même couleur que son chien. Il a la même coupe qu'un bobtail que je connaissais. C'est vrai. T'as combien de chiens? 3. 4, 2, 3 depuis 2. Celui-là, un berger allemand et un malamute. C'est comme les huskies, mais en plus gros. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, Nicolas, oui. Lui donner des pour la dernière fois, pourquoi mon chien ne vient pas quand je l'appelle? Alors, c'est il ou elle? Elle. Est-ce qu'elle vient quand d'autres personnes l'appellent? Ouais, quand ma femme. Moi, je l'ai appelée, elle est venue. Quand ma femme l'appelle, elle vient, mais moi, elle me. Voilà. Donc, je ne calcule pas, quoi. Donc, voilà.
Donc c'est un problème perso. Non, je me suis excusé, je l'ai chopé une fois, je suis rentré ivre-mort, ça va. Tu lui as donné un coup de pied, tu lui as parlé comme tu as parlé à ma chienne tout à l'heure. Des fois, il suffit d'avoir une grosse voix, il suffit de faire un pas vers le chien quand on l'appelle, c'est le pas de trop. Et quand je vais vers elle... Mais il ne faut surtout pas aller vers elle. Elle ne vient pas, je t'explique. Elle est très fragile. Quand elle est sur les canapés, elle ne peut pas descendre, elle a beaucoup de mal à monter. Parce que... Et elle veut toujours être sur le canapé avec moi. Ouais. Et quand je vais pour la prendre, elle fuit, elle a le réflexe de fuir. Est-ce que tu l'as frappée? Attends, s'il te plaît, je parle à un spécialiste. Quand j'aurai besoin d'une connasse qui m'aroufle, je sais où tu es. Mais tu vois, si tu lui dis comme ça, viens ici, connasse, elle n'a pas envie de venir, c'est sûr. Pourquoi, docteur? Il y a un peu de ça. Excuse-moi d'être technique et basique. Bah, je veux simplement que ma chienne vienne quand je l'appelle. Il faut que tout le monde chez toi l'ignore, sauf toi. Il faut recommencer tout à zéro. Il faut que ce soit toi qui donne, toi qui... C'est le nombril de la famille, personne ne l'ignore. Si moi, je viens chez toi, je dis aux autres, vous ignorez le chien. Mais tu es chez moi. Alors pendant... Mais il faut que ta famille soit là, et je leur dis pendant 5-10 jours... Et ça, c'est pas ma famille, ça? Comment... Eh, un peu de respect pour ma maman. Et je dis à tout le monde, vous ignorez le chien pendant 10-15 jours, sauf toi qui t'en occupe. Ah oui, mais ça, c'est comme ça que ça marche. Si on fait pas possible. De... Mon fils, il rentre de l'école, premier truc, il va vers elle, il fait la fête. C'est... Eh ben, non. Il n'y a que ton chien qui a grenié. Grenier, c'est bien. Grenier, c'est bien. Grenier, c'est bien. Grenier. Et puis le racisme, c'est formidable. Et vive la guerre. Et vive l'islamophobie. Oh, putain. Fais gaffe, il y a marqué le blaireau devant. Il n'y a que ton chien qui a grenier sur tous les autres. Tous. Mais grenier, c'est bien. Non, non, grenier, c'est pas bien. C'est mal élevé. C'est son job. Pourquoi c'est bien de grenier? C'est son job. Non, c'est son job quand il défend, mais là, il n'a pas à défendre. Il n'y a pas à défendre. Ça s'appelle réguler. C'est-à-dire que quand il y a un chien qui bouge trop. Après, on va tous te réguler la gueule. Et on verra si tu nous causes meilleur. L'anxiété d'un chien, on la règle comment? Comment on peut... Un chien, par exemple, tu approches, qui sort de la SPA, tu lui approches ta main, il fait comme ça, ou elle est toujours un peu effrayée? Il y a des Lexomil pour chien? Hélas, oui. Il ne faut jamais faire ça. Jamais, je pense. Jamais, non, jamais. Faut l'aimer, jamais, je pense. Jamais, 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 jamais. Moi, j'avais récupéré un chien de la SPA, et il se rongeait les ongles. Non, mais c'est vrai. Comment elle projette, ce truc? Il se grattait la chatte, alors. Qu'en est-il, docteur? Non, c'est vrai, il se mangeait les pattes. Et dès qu'on sortait un parapluie, il avait peur. Hein? Donc, on a sous-entendu qu'il a été battu à coup de parapluie. Mmh. Voilà, il avait l'air un petit peu... Bon, depuis, il est mort. Ah, ça finit bien. Voilà, et en fait, elle était complètement stressée. Récupérer un chien de la SPA, c'est génial, mais c'est pas facile, parce qu'il y a une partie qu'on connaît pas et qu'on découvre. Et rééduquer un chien, c'est-à-dire corriger des comportements gênants ou des anxiétés, c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps. Et c'est surtout une histoire de compromis, c'est-à-dire faut pas chercher à avoir le chien parfait après. Mais par contre, pour le parapluie, ça s'appelle de la désensibilisation, c'est très facile à faire, c'est pas un problème, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le chien qui se bouffe les pattes, parce que ça veut dire qu'il dit « je suis pas bien ». C'est comme nous, hein, on allume des clopes, on songe les ongles, il dit « je suis pas bien ». On allume des clopes. Moi, j'ai un chien qui fume deux paquets. Ouais. Non, mais c'est la même chose, c'est le même geste. Moi, je pense qu'avant d'éduquer les chiens, il faut éduquer les maîtres. Hey, les gars, c'est mon job. Hein. Attends, Valérie, je pense... Attends, d'abord, t'as perdu au baby, tu fermes ta gueule. Ouais, d'accord. Il y a un tour de table, quand ce sera ton tour... Ok, éduquer les chiens, c'est bien, mais par exemple, tu vois, moi, quand je vois tous les... À un moment donné, il était question d'interdire les pitbulls et tous les chiens un peu chiants, etc., soi-disant hyper agressifs. Moi, j'ai des tas de potes qui ont des pitbulls, qui ont des staffs et des machins, mais ils sont hyper gentils. Mais tu rigoles ou quoi? Qui les protègent, les mômes, ils sont hyper gentils avec les mômes. C'est les maîtres qui sont cons, qui élèvent mal ces chiens et qui les dressent à attaquer, etc. Ouais, les chiens, ils sont d'instinct. T'as pas un chien agressif plus violent qu'un autre. C'est les maîtres qui sont complètement tarés. Tu vas lui apprendre son boulot, en fait. Non, je dis qu'avant de penser à éduquer les chiens, il faut éduquer les mecs. Mais c'est l'éducateur canin, en fait, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît le chien. D'abord, vous observez. Ouais. Et après, on transmet notre savoir, entre guillemets, hein, savoir, à l'humain, au responsable du chien. Bien sûr. J'ai un chien, c'est un Yorkshire, il s'appelle Paco. Il a 12 ans. Il adore se frotter au mur comme ça. Il l'a vu faire, celle-là. Est-ce qu'on a trouvé une causalité entre le maître et le choix du chien? Est-ce que ça dit quelque chose, ça? Oh, mais attends, mais oui, c'est évident. Oui, mais pas toujours. Ma question, c'est Brigitte, qui a des chiens énormes, et elle en a 6. Mais pourquoi pas 27, quoi, au bout d'un moment? Non, non, bah, parce que déjà 6, c'est trop. Mais c'est un concours de circonstances. Ah oui, t'as récupéré. Mais t'as que ceux-là ou t'as d'autres races? J'ai mon mari aussi, donc on est deux à avoir 6 chiens. C'est pas... Oui. En vivant dans en plus, 7 hectares, c'est pas... Cool, mais t'as que cette race-là, t'as pas C'est pas la révélation d'un truc un peu sexuel?
Alors, non, une projection, oui, bien sûr. Donc, quand t'as les petits chiens, c'est que tu aimes les... Ah non, t'as eu de tout, petites bites. Les petites bites, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis pas très d'accord, non. Parce que mon chien est moyen. Je suis pas d'accord. Et moi, ma chienne. Ce qui est étonnant, c'est de voir chez moi la place que cette petite merdouille a pris dans la famille. Ouais. C'est génial, non? C'est incroyable, c'est un membre de la famille, quoi. C'est étonnant. C'est la magie du chien, parce qu'en plus, c'est un animal. C'est-à-dire faut toujours se souvenir, c'est ça qui est dingue avec le chien. C'est un animal. C'est-à-dire qu'on amène un animal chez soi. Moi, ça devient un parent. Et comme on se projette beaucoup... Mais ce qui est passionnant, et que vous savez forcément, c'est pourquoi le chien est devenu le meilleur ami de l'homme, c'est parce qu'il sait maîtriser ses sphincters. Et le chien et le chat sont les seuls animaux qui savent maîtriser leurs sphincters. Sinon... J'ai un voisin qui le fait très bien. Oui, d'accord, mais c'est pas un animal. Et pourtant, c'est la première source de conflit. C'est-à-dire que je dis souvent... Au début, il y a beaucoup d'amour, il n'y a pas beaucoup de pipi. Ferme la porte des toilettes. Et puis après, plus il y a de pipi, moins il y a d'amour. On est très pressé de corriger ce comportement-là. Et les premières frictions, les premières tensions dans un foyer, quand il y a un chien, c'est ça. Quand Lily est arrivée, qu'elle avait un mois et demi, deux mois, elle est arrivée et puis je ne savais pas faire pipi. Tu dis comment quand tu as un petit chiot, tu fais faire pipi. J'avais acheté des petites couches, je mettais au sol et je lui ai montré qu'il fallait faire pipi sur le truc. Et puis petit à petit, j'ai fait dehors. Maintenant, quand elle a envie, elle cherche toujours un endroit un peu carré pour faire. Ah ouais. C'est-à-dire un truc peut-être une qui ressemble à la petite couche que je lui ai mise. Quand on enseigne la propreté, si on engueule un chien, par exemple, le chien, il a pissé, tu rentres, tu vois ça, tu l'engueules. Le chien, c'est rayé de sa mémoire. Il ne sait pas qu'il engueule. C'est une évidence. Mais c'est sur le fait, c'est flagrant délit, quoi. On ne l'engueule pas parce qu'il a pissé, on l'engueule parce qu'on est en colère. Donc c'est déjà, on est à côté de la plaque. Un chien, ça apprend par association, l'association faut Alors, que ça qu'est-ce soit qu'il faut l'engueuler que quand tu le vois faire. Alors, il y a une méthode simple, ça peut paraître un peu rude. Le chien ne fait pas là où il dort et là où il mange. Donc en fait, si on lui fait une chambre, c'est une cage, c'est une cage de transport. On donne à manger à son chien, on lui donne à boire. Et on sait qu'un chiot, en fait, ça élimine très rapidement après avoir consommé. Donc on lui fait manger, on fait boire, on le confine... Dans sa cage, ça peut paraître cruel, mais en fait, le chien, il s'en fiche. Et en fait, dans cet endroit-là, il va se retenir forcément. Le sphincter, c'est un muscle qui s'entraîne. Ah, d'accord. Et donc, en fait, dans ce moment-là, il va se retenir. Hey. Il est là. Il faut le coincer au début, alors. Frédéric, le mystère du sphincter, tu le découvres, en fait. Il se retient. Tant qu'il est enfermé là où il dort, il se retient. D'accord. Donc, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on le prend, on l'amène là où on veut qu'il fasse pipi. Il va faire pipi, on le félicite, on récompense. C'est aussi simple que ça. Et pas de fessée, alors? Surtout pas. La fessée, ça fait que le chien va craindre. Hein, on parle d'un chiot. Lui, faire pipi sur un tapis à 10 000 balles, il s'en fiche. Il n'a pas la notion de l'argent, le chien. Par exemple. Parfait, le chien. Donc, il faut toujours essayer de comprendre comment lui, il apprend. Si on sait comment il apprend, tout est facile, vraiment. Et enfermer un chien dans une petite cage pendant 5-10 minutes, c'est pas cruel. Et pourquoi tu mets le tapis où? Pas de tapis. Ça a marché là, mais pas de tapis. Le tapis, c'est comme un permis de mal faire. Non, mais personne ne fait ça, Nicolas. Personne n'enferme son chien. Je ne vais pas vous dire le nombre de chiens à qui j'ai appris la propreté comme ça, mais beaucoup. Oui, oui. Et c'est très rapide. Et en combien de temps? Non seulement c'est rapide, je le fais moi-même, et surtout, vous lui apprenez plein d'autres choses. Vous lui apprenez ce qu'on appelle le détachement. Votre chien, quand il est dans sa chambre, entre guillemets, vous pouvez vivre. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, vous n'avez pas à faire attention à lui, vous pouvez faire d'autres choses. Il y a plein de gens qui ont besoin aussi de vivre, de faire les devoirs des enfants, etc. Et le chien, il apprend à vivre aussi sans vous. Personne ne fait ça, Nicolas. J'ai eu des enfants avec des chiens et j'avais pas de cage et ils vivaient sa life. Non, mais au début, après, tu ne laisses plus dans ta cage. Les enfants avaient des cages, rassure-moi. Oui, c'est ce que j'allais dire, on met bien les enfants dans des cages. Ah, moi, j'ai pas mis mes enfants dans une cage, après, chacun sa mère. C'est le principe de la niche, dehors. Oui, mais la niche, t'es pas enfermé dans une niche, tu vas dormir. Tu vois, moi, il a pas de niche, il a un panier parce qu'il dort dans son panier. Je sais pas, j'en ai eu plein des chiens. Ils ont pissé sur des journaux quand ils étaient petits, tu viens de les avoir, après tu les mets dehors. Et puis après, voilà. Puis quand il y a les devoirs des enfants, il va dans son panier. Tu l'enfermes pas dans une cage à l'eau, quoi. Ça veut dire que tu dépenses de l'argent pour acheter une cage. Qui vote la mort pour Nicolas? Moi. Direct. Qu'est-ce que tu penses des chiens qui dorment dans les lits des maîtres? Moi, elle dort avec moi, là, la nuit. Pour moi, c'est un grand. Ferti, elle dort avec dans le lit? Bah oui. Mais non. Et tu le mets où, ton mec? Bah, on fait chambre à part. Parce qu'avec mon mari, quand on est dans le lit, on dort pas. Bah, il y a bien un moment, tu dors quand même, Brigitte. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est pour ça que je ne dors pas avec mon mari.
On fait chambre à part, parce que c'est quand même sympa. Moi, j'aime pas lire le soir, il aime lire le soir. Il se lève tôt, moi, j'aime bien dormir le matin. Donc, on fait chambre à part et on dort avec des chiens, voilà. Mais on se retrouve pour faire l'amour régulièrement, il n'y a pas de souci. Et lui aussi, mais alors, t'en as choisi qu'une, c'est-à-dire sur les non, six. Non, non, j'en ai, en fait, j'en ai deux qui dorment avec moi. D'accord, parce que, ouais, parce que sinon, c'est vache pour les autres. Et ton mari aussi, avec ses chiens? Il a une cage. Il apprend à faire pipi dans sa cage. Julie, oui, présente-nous ton plat. Aiguillette de poulet au tabasco et quatre épices. Magnifique. Avec un riz au raisin blond et amandes grillées. Bravo. Pour moi, c'est un grand oui. Eh bien, voilà. Eh bien. Le silence qui suit. Normal. Voilà. Très, très bon. Fais pas trop, ça va se voir. Quel est le pire truc que vous avez vu qui vous a... Quelle est la pire... Enfin, le pire que vous ayez... Il dit quoi, l'orthophoniste? Il est confiant ou t'as remis 8 séances? Pourquoi? Toi-même, tu sais pas ce que tu veux dire. Mais si, il est très bien compris. Fais ta phrase dans ta tête. Mais la pire anecdote que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans votre carrière? En fait, elle se répète souvent. Aha. C'est pas la pire, c'est la plus triste. C'est moi, ce que j'appelle le mauvais scénario. C'est-à-dire des gens qui prennent un chien, ils n'ont pas pensé avant à tout ce que ça pouvait... Engendrer. Ouais, engendrer comme contrainte et qui, très vite, c'est sans issue, quoi. C'est-à-dire qu'il faut replacer le chien. Moi, une fois, j'étais en bagnole, il y a un chien qui a été jeté sur l'autoroute. Je me dis, mais comment le mec qui a son chien peut prendre, ouvrir sa voiture et jeter le chien? Tu m'as pas reconnu. Comment dans sa tête? Je sais très bien que tu serais pas capable de faire ça, mais... Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Ça me rend folle. Ça me rend pas bien. Tu sais, une fois, j'avais appelé un mec, je l'avais insulté sur les paris gratuits. Il y avait un mec qui avait mis une annonce terrible, qui avait mis « Donne Labrador ayant cessé de plaire ». Et donc, ça m'avait, avec un numéro de téléphone, je m'en rappelle toute ma vie, je l'avais appelé toute la nuit, toutes les heures. « Et ta femme, quand elle en aura marre de ta gueule, enculé !» J'ai adoré ton anecdote, mais juste en racontant, t'as craché et un goût est tombé dans mon assiette. Excuse-moi, je n'ai pas de maladie. Mais je trouvais ça dégueulasse comme formule, ayant cessé de plaire. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Le mec qui le met sur l'autoroute, c'est ayant cessé de plaire. Voilà. C'est tout. Mais bon. Quand j'ai lu ta bio, 800 pages, hein, je bosse. On attend. 800 pages de bio sur moi. Ah bah il y a 400 pages quand tu t'es fait déflorer, quoi. Oui, d'accord, oui, ça c'est vrai. Et puis surtout, l'accident d'avion, j'ai cru que c'était une connerie, moi. Non, pas du tout. Non, non, c'est vrai. T'as eu un accident d'avion? Ouais, c'est pour ça que je prends plus l'avion maintenant. Comme Chantal. Mais un avion, j'ai repris. Un avion grand, j'ai repris. Mais tu reprends pas du tout les petits avions en Thaïlande, tu sais, qui font les îles. Oui. Bah, tu sais, les avions que tu prends, j'étais gamine, hein, et que tu vas d'une île à l'autre. Et en fait, quand on est rentré le soir, le mec, il était bourré, je pense. Et il s'est éclaté dans les palmiers. Et l'avion s'est serré, si tu veux. Et on est resté 8 heures, bloqué dans la carlingue, avec des Américaines hystériques qui gueulaient comme des folles. Dans ces moments-là, tu apprends beaucoup sur l'âme humaine. Parce que 8 heures enfermées dans un petit machin, avec des folles qui hurlent et qui sont prêtes à tout pour avoir un morceau de truc à bouffer. Il y a eu des morts? Non, non. Je pense que si, le pilote, je pense qu'il est resté à mon avis, on ne l'a jamais revu. Et en même temps, je ne cherchais pas à le revoir. Et voilà. Moi, je suis sortie la dernière. Parce que quand les mecs ont ouvert en fait, la carlingue du haut, comme une boîte de conserve, tout le monde s'est précipité. Moi, j'étais tellement angoissée. Ah ouais. Et après, pour revenir, ils nous ont proposé un autre avion. Je fais, ah non, les mecs, moi, je rentre en bateau, je rentre en bateau de pêche, s'il te plaît. Il n'a pas explosé l'avion avec non. Le chien? En fait, tu sais, c'est comme au cinéma où tu vois les voitures qui explosent en 2-2 et les avions et les machins. Oui, je pense que certainement, des fois, des avions explosent et des voitures aussi. Mais là, en l'occurrence, il s'est surtout plié dans les palmiers. Donc, t'as fait Bangkok-Paris en bateau, au retour? Non, par contre, j'ai fait Bangkok-Paris en avion, mais alors shooté comme pas permis. Oui, bourré. Mais tu le reprends plus jamais? Je l'ai repris après en me disant, vas-y, t'es une femme forte, tu vas pas te laisser dominer par... Rien à voir, le poids. Ouais, mais bon, quand même, je me suis dit, ça y est, ça empirait l'avion. T'as dit que t'étais gentille et que tu t'intéressais aux gens. Non, mais il aime bien dire que je suis ça bon. Veut dire, Valérie, que tu prends plus l'avion depuis jamais. Alors, moi, je l'ai plus pris pendant 12 ans. Et puis là, l'autre jour, je suis allée faire un tournage à... C'est pas loin, au Portugal. J'ai bu 4 ou 5 coupes de champagne avant de monter dans l'avion. Donc, j'étais bien comme ça. Et j'étais contente. Et pourquoi t'as pas fait un stage? J'ai fait le stage. Air France. J'ai fait l'hypnose, de l'hypnothérapie. On a tout fait, t'inquiète, moi, quand je connais des gens qui ont peur. L'avion, ben non, ben voilà. Ça marche vachement bien sur moi. Mais Smer, il a essayé de m'hypnotiser, il n'a pas réussi. Regarde-moi. J'ai fait de l'hypnose pour oublier quelqu'un. Frédéric,
tes paupières sont lourdes, t'as envie de moi. Et alors Frédéric, non, il y a des mots magiques. Y a deux Dis-moi, mots magiques. T'as pu l'oublier? Ouais. C'est quoi les deux mots en magiques? En fait, le problème, c'est que il m'a associé le nom de la personne à une mauvaise odeur. Maintenant, quand je pense à lui, j'ai envie de vomir. Mais non. Et quand je bois trop, après, je vomis. Alors, je peux plus prononcer son nom. Quand tu penses à lui, tu vomis? Il m'a fait un déclencheur. Alors, l'autre jour, moi, il y a... Tu sais, le grand hypnotiseur, là... Mesmer. Voilà. Ouais, ben moi, il m'a essayé de m'hypnotiser, ça n'a pas marché. Bah, voilà, pareil. Alors, moi il a essayé, les ténèbres, les paupières sont lourdes. Moi, je pose la question. Ça marche pas, sur j'ai moi. J'ai vu l'autre jour l'émission. T'as eu affaire à lui? Oui, oui, oui. Moi aussi. Quand il fait comme ça derrière et qu'il dit « Maintenant, tu vas revenir à l'âge de 5 ans », et que la fille derrière, elle fait « Ah, oh, ben, oui, il est mon papa. Où c'est qu'il est mon papa? Je le cherche. » Mais alors... J'étais hallucinée. Il y a quand même un truc super étrange, c'est que tu ne peux pas te dire que les gens sont à ce point bons comédiens. Il y a quand même un truc étrange. Connaissant la fille, je savais qu'elle n'était pas aussi bonne comédienne. C'est pour ça que j'ai dit ça doit être. C'était pas une comédienne, surtout ça doit agir sur ce que toi tu as envie qu'on te fasse. Les deux mots là qui ont servi pour ton hypnose, c'est des noms propres ou des mots de la vie de courant? Non, en fait, ils te donnent le nom d'un animal sauvage. Par exemple, je ne vais pas te le dire. Non, juste. Par exemple, c'est girafe. Elle va vomir. Non, mais c'était pas girafe. C'était Léon. Elle va pas vomir. Et après, il te met un nom, enfin un mot. Ça commence par quelle lettre, le mot sauvage? Il met un adjectif comme insubmersible. Mmh. Girafe insubmersible, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est dans le langage courant. Donc, quand il met ces deux mots-là ensemble, ça me fait m'endormir. Mais c'est pas ces mots-là. J'ai pas le droit de le dire. Non, c'est parce que, par exemple, alors, imaginons que tu me dises les deux mots, ta gueule, je sors un coup. Imaginons que tu me dises les deux mots. Est-ce que je pourrais t'endormir dans une configuration où tu serais susceptible de ne pas porter plainte après? C'est mon avocat qui me demande. Non, mais personne ne le saura jamais. Et ça marcherait, ça. C'est une convention mentale que j'ai avec lui. C'est top. Ah oui, d'accord, c'est que lui qui t'endort. Ah oui. Tu peux pas donner ça. Ah non, personne là. Il n'y a que lui qui a la clé. Ouais. Puis il y a un travail aussi que je fais moi. Non, il y a un travail que je fais moi, c'est-à-dire que je l'autorise à le faire. Je me mets dans un état. La première fois que je l'ai vu, j'y suis allée un peu fatiguée. Comme ça, j'avais déjà un peu envie de dormir. Et on a trouvé ces mots-là, et c'est des mots-clés. Et c'est les mots qu'il dit pour m'endormir et pour me réveiller. Et à la base, t'as été voir ce mec pour oublier l'autre mec? Ouais. Pour oublier un chagrin d'amour. C'est drôle. Ben, je m'excuse. Non, mais je ne pensais pas de faire autant de mal. Ah non, mais non. Je suis désolée, voilà. Mais il m'a guéri. Alors, toi, maintenant, à la radio, il y a plein de gens qui t'appellent. Pour régler des problèmes. Moi, alors, à mes yeux, peut-être que je me trompe, mais tu es la seule actrice érotique qui a eu un plan B. Enfin, peut-être maintenant les mentalités évoluent, tu vois, et peut-être tu es la chef de file de tout ça. Mais tu as une crédibilité maintenant, tu es devenue une psy, quoi, carrément. Bah, elle est trop forte quand elle répond. Moi, de temps en temps, j'ai écouté ses émissions, je trouve qu'elle est trop forte quand elle répond aux gens. Mais c'est empirique, tout ça, Brigitte, c'est empirique. T'as appris sur le tas, si je puis dire. Non, mais j'ai étudié la sexologie, j'ai étudié la psychanalyse. Tu sais, pour bien répondre à des gens sur des questions de sexe, il faut deux choses. Il faut de l'expérience un petit peu quand même, parce que sinon tu es un petit peu titillé par tout ce qu'ils te racontent. Et il faut de la connaissance. Et après, il faut avoir une neutralité. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelqu'un qui te raconte un truc, il ne faut pas que ça t'excite, ou il ne faut pas que ça te dégoûte, il ne faut pas que tu te sentes... Voilà, bon, c'est tout. Et moi, je les entends, j'écoute, et puis j'essaye de leur répondre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Tu es dans une empathie, voilà, tu réponds ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que des fois, tu quantifies le problème, tu vois qu'il n'y a pas de solution, et tu délivres un message encourageant, quand même. En général, oui. Je ne vais pas casser les gens, c'est pas mon... Je ne fais pas du bafi. Moi, si on devait chacun se projeter dans un chien, moi, je serais plutôt roquet. Bien sûr. Toi, tu serais quoi comme chien, toi? Moi, je serais un bouvier bernois. Je serais mon chien, mignon, moi. Trop mignon, bouvier bernois. Tu serais quoi, Chanchon, toi? Ma Lily, je crois. Le Jack Russell un peu speed, et puis de temps en temps, très... Ouah, 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 qui fait chier. Moi, je serais un chien qui court. Non, tu serais une levrette, et tu sais très bien pourquoi. Et l'histoire la plus triste qu'on t'ait racontée à la radio? La plus incroyable, je crois, c'est une femme de 55 ans qui m'appelle, il y a déjà quelques années, et qui m'appelle, qui était toujours vierge, 55 ans. Hein. Et elle me dit, j'ai été baignée dans une éducation hyper religieuse. On m'a mis, et je me souviens de cette expression, on m'a mis le cul dans un bénitier. Ouais. 55 ans, la femme qui me dit ça, elle me dit, j'aurais dû vous écouter avant, j'aurais dû, qu'est-ce que je peux faire? Il n'est pas trop tard. Ouais, 55 ans, ça Qu'est-ce va, que oui, tu oui dis il n'est pas trop tard. À une femme comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Allons-y. Je crois que je lui ai dit, je ne sais plus exactement, parce que je crois que j'ai commencé à lui dire, mais est-ce que vous vous aimez?
Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce qu'elle se masturbait, Sanso? Moi, je suis assez libre. Non, mais ça, ça va trop loin pour moi. Non, mais je veux dire, tu peux pas dire dans un dîner est-ce qu'elle se masturbait. Non, mais est-ce qu'elle avait du plaisir? Bah oui, c'est ça. C'est bien qu'on en parle. Elle connaissait le plaisir, au moins. Peut-être qu'elle se substantait toute seule et qu'elle n'avait pas besoin d'homme. Est-ce que tu te masturbes, toi? Oui. Quelle est ta fréquence? Je sais pas. Sans être indiscret, hein, sans toi. C'est pas le côté introspectif. Je sais pas. Quand elle est toute seule. Voilà, quand... Pour moi, c'est un truc hygiénique. Trop longtemps toute seule. C'est un truc hygiénique. Moi, je suis très dans les énergies et tout ça. Et quand j'ai trop d'énergie, il faut que ça sorte, voilà. Charlotte à la vanille au Grand Marnier. Oh, j'adore. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité avec laquelle elle amène un plat. C'est la classe avec laquelle elle l'apporte. Juste... C'est Julie qui a fait ça. Je voudrais juste qu'on fasse un tour de table. Je vais te demander de te lever. Ouais. Prends ton assiette. Oui. Et tu peux refaire l'identique et on va voter, voilà. Ah ben non. Charlotte à la vanille et au Grand Marnier préparé par Julie avec beaucoup de glace. Très bien. Merci. Pour moi, là, c'est Aldo Macione. Charlotte à la vanille et au Grand Marnier. Bravo. Bah, c'est déjà mieux. Ma fille Charlotte. Ah. À la vanille et au Grand Marnier. Bravo. Ah, elle est là. Ah, ça y est. Attendez, j'ai le string qui colle. Mais Fred, c'est le glamour. Charlotte, au Grand Marnier à la vanille, préparée par Julie. Brava. Premier. Charlotte, à la vanille. Et au Grand Marnier, préparée par Julie. Ouais. Raphaël, le guitariste de Christelle Cholet. Pardon ? C'est Raphaël, le guitariste de Christelle Cholet. Entrez ! Combien pour ce chien dans la vitrine ? Ce joli petit chien, jaune et blanc, jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine ? Qui penche à tête en on va voir si Chantal, elle gère son chien. Refaites-le. Moi, je fais plus rien. Il faut que le chien soit en mesure. Vas-y, Chanchon. Vas-y, Lily. Lily, fais-moi pas passer pour une conne. Ce chien dans la vitrine. Ce joli petit chien jaune et blanc. Elle en vient pour ce chien dans la vitrine. Il mange la tête en l'air. T'avais pas vu Mirza? Oh la 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 la. T'avais pas vu Mirza? Oh la 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 la. T'avais pas vu Mirza? Où est donc passé ce bonhomme? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ça ne répète pas. Veux-tu venir ici? Oh. Et après, je fais quoi? Ah, c'est à côté. Ah, d'accord. Ça a donné quoi, ton dernier produit? C'était pas le top. Il a dit quoi, le vétérinaire? Hein?